Bonjour OK. tout le monde, bonjour à tous. Merci d'être venu à la deuxième semaine de Connexion Nord à la maison. Je suis vraiment heureuse que vous soyez là. Et aujourd'hui, je vous présente à une très, très bonne amie de Connexion Nord, Laurie, qui est astrophysicienne au télescope Canada-France-Hawaï à Hawaï. Puis elle va nous parler de la lumière dans l'espace et de plein d'autres choses super cool. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Je vais les prendre en note et on fera sûrement quelques pauses pour les questions pendant la présentation. Sinon, sans plus tarder, je passe la parole à Laurie et je vous souhaite à tous de passer un beau moment. OK, super. Merci beaucoup, Marie. Bonjour tout le monde. Ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous ai préparé une présentation un peu différente de ce que je fais habituellement. C'est avec des expériences et des choses un peu plus manuelles. On va avoir du fun. Je vais vous parler de la lumière. C'est notre outil de prédilection comme scientifique, comme astronome. Donc, j'utilise la lumière pour faire ma science. Puis, on va voir un peu comment tout ça se passe. Puis comment, en fait, la lumière est un peu quelque chose de mystérieux et fantastique. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Pour commencer, on va voir quelques petites diapositives, puis ensuite, on va faire une expérience. OK, donc, normalement, vous devriez être capable de voir mon écran. À ce moment-ci, ça, c'est quelques photos de moi autour du télescope et à l'intérieur du dôme du télescope ici à droite, au télescope Canada-France-Hawaï. Je suis arrivée ici depuis 3 ans environ et je suis arrivée tout de suite après avoir fini mon doctorat à l'Université Laval à Québec. Puis, je suis arrivée en fait, la plus grande partie de mon travail ici, c'est de prendre cette caméra-là qui est entre mes mains ici, qui est une gigantesque caméra astronomique qui s'appelle Sitel. Et puis, c'est cet appareil-là que j'utilise pour faire ma science. Puis, j'aide aussi des gens d'un peu partout dans le monde à l'utiliser. Puis, je viens de Québec, fait que je suis une fille de Québec. Ma famille, j'ai beaucoup de famille aussi pas loin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la réserve de Massillette. Et je voulais vous montrer quelques photos parce que je pense que c'est là que mon aventure a commencé. Moi, avec ma famille, on va à chaque année à la chasse à l'orignal et aussi à la petite chasse. Et on va dans les terres traditionnelles de chasse qui sont pas loin de Chibougamau, mais environ à 2 heures et demie, vraiment loin dans la forêt. Puis on a un campement là. Et je passe des heures et des heures en nature, spécifiquement à l'automne. C'est là où j'ai appris à observer la nature, à observer l'univers qui m'entourait. Puis, je pense que c'est là aussi où j'ai découvert que j'étais très, très curieuse et que j'aimais comprendre les choses. Donc, passer vraiment des heures en nature à regarder la météo, regarder la faune, la flore et essayer de comprendre comment tout ça interagissait, c'est ça qui m'a vraiment motivée, poussée à essayer de comprendre les choses. Puis, ultimement, de regarder les étoiles, puis d'essayer de comprendre comment les étoiles fonctionnent, comment l'univers fonctionne autour de nous. Pour moi, c'est comme le plus beau challenge que je peux relever. Donc, quand je suis arrivée à l'université, j'ai choisi de faire un baccalauréat en physique et une concentration pour la maîtrise en astrophysique, puis un doctorat. Puis ça, c'est quelques photos de l'observatoire du Mont Mégantic, qui est au sud, tout près de la frontière américaine, au sud de la province de Québec. Et là, on a une photo de moi ici avec d'autres étudiants, alors que j'étais en train de faire des tests à l'Observatoire du Mont Mégantic avec une caméra qui s'appelle Espion. Puis Espion, c'était la première génération de caméras comme Sitel, celle que je travaille avec au Canada-France-Hawaï. Mais dans le fond, c'était un prototype. Puis on a fait fonctionner le prototype. C'était le premier prototype comme ça au monde. Et ça nous a permis de construire Sitel puis de l'envoyer dans un plus gros télescope à Hawaï. Donc, voici mon chemin. Je suis partie de Wendake, où mon père, ma famille réside à Québec, jusqu'à Hawaï. Donc, c'est un peu loin. Hawaï, c'est en plein milieu de l'océan Pacifique. Mais c'est d'ailleurs aussi une des raisons qui en font la place idéale pour faire de l'astronomie. Donc, il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse. Puis le ciel est vraiment d'une très belle qualité là-bas.
Et ça, c'est notre télescope. Donc, le télescope à l'intérieur du dôme. Et ça, c'est ma caméra une fois qu'elle est installée à la base du télescope. Puis, cette petite vidéo-là, il montre un peu comment tout ça se met en mouvement. Avant le début de la nuit, on ouvre le dôme. On a une énorme fente qui s'ouvre pour laisser la lumière qui vient des étoiles rentrer. Et puis, éventuellement, que le télescope puisse la capturer. On a aussi, vous allez voir sur le côté, plein de petites fenêtres qu'on peut ouvrir. Et ces fenêtres-là permettent à l'air froid de l'extérieur à rentrer à l'intérieur du dôme. Puis ça, c'est super important pour avoir de belles images. On veut que la température froide qui est à l'extérieur rentre et que le dôme, à l'intérieur du dôme, soit à la même température qu'à l'extérieur. Donc, c'est très froid à l'intérieur du dôme. Même si on est à Hawaï, c'est environ 0 degrés Celsius à la nuit. Et ça, ça nous permet de prendre des belles images quand on est capable de ventiler le dôme comme il faut. Et là, on a vu le dôme tourner un peu. Et le télescope aussi bouge. Là, on va voir dans pas très longtemps le miroir du télescope qui est au centre ici. Donc, je vais faire une petite pause. Donc, ici au centre, on a un énorme miroir de 3,6 mètres. C'est un miroir qui permet de collecter plus de lumière et de focaliser cette lumière-là dans la caméra. Donc, c'est comme un œil gigantesque, si on veut. Le télescope bouge comme ça dans toutes les directions. Le dôme peut tourner, on peut regarder n'importe où dans le ciel pendant la nuit. Et puis, cette petite vidéo-là, j'aime ça commencer avec cette vidéo-là, parce que c'est une vidéo tirée du film Contact. Peut-être que vous ne l'avez pas vu si vous êtes jeune. C'est un film des années début 2000, fin 90. Et c'est un film qui parle beaucoup de l'espace et de l'observation astronomique. Là, on voyait la Terre avec la Lune, puis on s'éloigne, en fait, de la Terre. On voit Mars, on voit les astéroïdes. On va voir bientôt les planètes géantes gazeuses. Donc, ça, c'est des lunes de Jupiter avec Jupiter. Et puis, ce que je trouve le fun, c'est qu'on voit les distances. On voit à quel point l'univers est rempli de choses, rempli d'objets. Et puis, plus on s'éloigne, plus aussi on peut sortir éventuellement du système solaire. Puis là, on va voir les anneaux de Saturne. Puis le système solaire, c'est comme notre petit univers à nous. C'est très grand, mais à la fois très petit aussi. Donc, le système solaire fait partie de la galaxie, la Voie lactée, notre galaxie. C'est une étoile, le Soleil, parmi tant d'autres. Là, on est en train de sortir de la bulle de comète du système solaire. Là, cette espèce de bulle-là, c'est vraiment la limite de notre système. Et puis bientôt, on va voir nos premières étoiles voisines qui sont à plusieurs années-lumière. Et puis, on voit du gaz. Ça, c'est... En fait, c'est ce que moi, j'étudie, le gaz dans les galaxies. Donc, c'est ma spécialité en astronomie. J'étudie ce gaz-là parce que, justement, il y a de nouvelles étoiles qui se forment à l'intérieur de ce gaz-là. Puis, des étoiles qui naissent, il y en a des milliers dans notre galaxie à toutes les années. Et puis, je vais avancer un peu. Et là, on va sortir de la Voie lactée. Vous allez voir, là, on est dans un âge de gaz, la Voie lactée. Il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles aussi autour de nous. Et là, on commence à voir la Voie lactée, son disque, puis le centre de la galaxie de notre Voie lactée qui est super brillant, qui contient des milliards d'étoiles. En fait, ça a l'air d'une grosse boule brillante, mais en fait, c'est juste plein d'étoiles. Ça, c'est notre petite galaxie qui tourne autour de nous, une galaxie régulière, notre Magellan. Et là, on va passer au travers le cœur de Andromède, une des galaxies les plus proches de nous aussi. Et on voit tout le gaz, toutes les étoiles. Et là, tout ce qu'on voit à partir de ce moment-là, qu'on est aussi loin, c'est les galaxies. Donc, tous les petits points lumineux qu'il y a autour de nous dans cette vidéo-là, ce sont des galaxies. Là, je vais poser. Parce que, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous pensez, en fait, si vous étiez un astronaute là, dans l'espace, à cet endroit-là dans l'espace, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes capable de voir avec vos yeux? Puis, en fait, on pourrait penser qu'on verrait ces galaxies-là et tout ça, mais en fait, nos yeux ne sont pas assez sensibles pour voir la lumière des galaxies lointaines comme ça. Ça prend vraiment des gros télescopes avec d'énormes miroirs pour pouvoir focaliser plein de lumière, pour pouvoir être capable de les détecter, de les voir. Donc, un astronaute qui serait à cet endroit-là dans l'espace serait dans le noir complet. Il verrait absolument rien. Il est trop loin des étoiles, trop loin de tout pour voir quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Et c'est pour ça que tout... En fait, toutes les connaissances qu'on a à l'extérieur de notre galaxie, à l'extérieur de la Voie lactée, ça vient des télescopes qui ont accumulé toute cette lumière-là pour pouvoir nous permettre de produire de belles images des galaxies comme ça. Et aujourd'hui, on va parler de la lumière, mais avant qu'on rentre dans le feu de l'action, je voulais parler des forces fondamentales. Fait que
Probablement que la plupart d'entre vous sont familiers avec le film de Star Wars, les films de Star Wars. Et si vous vous rappelez bien, dans les films de Star Wars, il y a la Force. Les Jedi ont un pouvoir spécial. Ils sont capables de, avec leur pensée, d'utiliser la Force et faire bouger des objets. Là, on parle de film, donc c'est pas réel. La Force de Star Wars, c'est pas quelque chose de réel. Par contre, les forces fondamentales sont bien réelles, puis c'est un peu la même chose. Là, j'ai des lasers aujourd'hui qui vont nous permettre de faire des expériences. Dans Star Wars, les Jedi utilisent la Force pour faire bouger les lasers et puis faire bien d'autres choses. Puis, en fait, les forces fondamentales, c'est un petit peu comme ça. C'est quelque chose que tu vois pas, mais qui agit sur les objets autour de toi. Et il y en a quatre. Et c'est des forces qui sont bien différentes les unes des autres, qui agissent à des distances bien différentes. Et on ne peut pas les contrôler avec notre cerveau. Donc, ce n'est pas comme dans Star Wars. Là. C'est des choses qui sont vraiment uniques à notre univers. Et il y a la force de la gravité qu'on connaît bien, parce que c'est la force qui nous tient sur la Terre et les deux pieds sur Terre. Puis c'est aussi la force qui fait que les planètes du système solaire tournent autour du Soleil, si on va dans le petit vidéo. C'est aussi la force qui fabrique les galaxies et les étoiles. Puis ensuite, il y a une autre force qui est celle qui est la plus importante pour nous aujourd'hui, c'est l'électromagnétisme. Donc, c'est la force qui fait que le Soleil a un champ magnétique qui parfois crée des éruptions à la surface du Soleil. C'est aussi la force qui crée le champ magnétique terrestre avec les pôles nord et les pôles sud, ce qui fait qu'avec une boussole, on peut se repérer. C'est la force des aimants. Donc, là, j'avais des aimants, ouais, des aimants de mon frigo, un aimant d'Hawaï et un aimant du Canada. Et quand on essaie de rapprocher deux aimants ensemble, on se rend compte d'un coup que là, il y a une force qui les empêche de se coller ou qui les rapproche, tout dépendamment de l'inclinaison ou de l'angle avec laquelle on approche les aimants. Donc, cette force-là est bien réelle, puis elle est aussi responsable des aurores boréales. Il y a deux autres forces qu'on ne parlera pas nécessairement aujourd'hui parce qu'elles s'agissent à vraiment petite distance à l'intérieur des atomes et des petites particules. Et c'est la force forte et la force faible. Donc, la force forte qui est liée à la lumière du soleil, donc pourquoi le soleil produit de la lumière, et la force faible qui est liée à l'énergie nucléaire, par exemple. Donc aujourd'hui, on parle d'électromagnétisme parce qu'on parle de lumière. La particule ou les ondes de la lumière sont liées à la force électromagnétique. Et on va voir pourquoi. Donc, la lumière, on peut se demander qu'est-ce que c'est. On en a dans la vie de tous les jours autour de nous. Ça nous permet de voir les choses. Mais en fait, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce que c'est si on ne fait pas d'expérience pour découvrir les propriétés de la lumière. Fait que la lumière, les gens ont découvert que c'était une onde, comme une vague, si on veut. Et il y a différentes couleurs de la lumière, on la voit avec nos yeux. Puis, en fait, la couleur de la lumière dépend de la fréquence à laquelle cette onde-là va osciller. Donc, si c'est une vague qui bouge rapidement, c'est une lumière plutôt bleue. Et si c'est une vague qui bouge très lentement, comme ça, c'est une lumière plutôt rouge, comme ceci. Et peu importe la couleur de la lumière voyage toujours à la même vitesse que la vitesse de la lumière, qui est vraiment très rapide. On parle de 300 000 km par seconde. Donc, à chaque seconde, la lumière peut parcourir 300 000 km, ce qui est énorme. Ce qui fait aussi que c'est la seule chose qui parcourt des distances tellement grandes qu'on peut les observer d'une galaxie à l'autre. Donc, les autres galaxies sont très loin de nous. Mais la lumière est capable de se rendre jusqu'à nous parce qu'elle voyage à des vitesses complètement folles. Puis, ici, je veux vous montrer aussi, c'est que la lumière qu'on voit, les couleurs, c'est pas que ça. La lumière, c'est bien plus que ça, en fait. Puis, la lumière visible, c'est une toute petite partie de toute la lumière qui existe dans l'univers. Donc, on les a divisées en différentes catégories. Là, je vais partir dans l'infrarouge. Donc, l'infrarouge, c'est la lumière qu'on utilise, par exemple, pour contrôler les télés avec les télécommandes. C'est aussi la lumière qui nous permet de voir la chaleur avec des lunettes infrarouges. Là, ici, j'ai mis un chat avec la chaleur du corps du chat qu'on peut voir dans l'infrarouge. On a les micro-ondes, qu'on utilise bien sûr pour les micro-ondes pour réchauffer la nourriture. Mais aussi, les micro-ondes, c'est les ondes d'Internet, du Wi-Fi, et c'est les ondes cellulaires. Donc, on les utilise pour communiquer. En plus, il y a les ondes radio,
qu'on utilise pour la radio, bien sûr, mais aussi pour certaines chaînes de télévision satellites. Et là, ça, c'est les longueurs d'onde qui sont les plus amples et tout ça, qui bougent tout doucement comme ça. Si on va de l'autre côté de la lumière visible, là, on parle de lumière qui oscille vraiment très rapidement, qui a beaucoup d'énergie, on a les ultraviolets. Les ultraviolets, on parle des coups de soleil, de mettre la crème solaire pour se protéger justement de ce rayonnement-là qui peut vraiment briser la peau. Ensuite, on parle des rayons X. Des rayons X qui, je vais revenir à l'image, voilà, qui nous permettent de regarder à travers le corps humain. C'est de la lumière tellement énergétique qui traverse la peau, qui traverse les organes et qui nous permet de voir les os. Ensuite, il y a encore plus énergétique que les rayons X, il y a les rayons gamma, puis ça, c'est des choses qu'on voit que dans l'espace. C'est tellement énergétique que c'est quand il y a des explosions cataclysmiques, des étoiles qui explosent, qu'on voit ces rayonnements-là qui sont très, très, très énergétiques. Et puis, aujourd'hui, on parle de la lumière visible un peu plus, parce que c'est ça qu'on peut voir à l'œil nu. Donc, on va faire une expérience avec la lumière visible. Puis, je voulais vous montrer une image. Ça, c'est une image d'étoile qu'on peut observer avec un télescope. Mais on peut aussi utiliser différentes techniques pour voir la couleur des étoiles. Donc, chacune de ces étoiles-là peut avoir une couleur un petit peu différente. Puis, on utilise des filtres pour les mettre en évidence. Puis quand on fait ça, voici ce que ça donne. Ça, c'est le même champ d'étoiles, mais là, on a observé avec différents filtres de couleurs. Là, on voit qu'il y a des étoiles rouges, il y a des étoiles bleues, des étoiles jaunes, comme le soleil et tout ça. Et puis, ce qui est génial, c'est que la couleur des étoiles est aussi liée à leur taille ou à la quantité de lumière qu'elles produisent. Donc, une étoile qui est très petite, plus petite que le soleil, par exemple, va être plutôt rouge. Une étoile qui est énorme, peut-être 100 fois la masse du soleil, va être plutôt bleue. Puis, il y a des étoiles qui peuvent être vraiment, vraiment, vraiment gigantesques. Et là, j'ai une petite vidéo qui montre un peu la taille des objets célestes pour vous donner une idée. Là ça, c'est la Terre. On passe aux planètes gazeuses géantes. Là, on a vu Neptune, Saturne, Jupiter. Et le Soleil est complètement, vraiment là, plus gros que n'importe quelle des planètes du système solaire. On le voit ici, le Jupiter est juste là. Ça, c'est le Soleil. Mais des étoiles, il y en a qui sont beaucoup plus grosses que le Soleil. Là, on a Pollux, Arcturus, si on continue, là, le Soleil est tout petit ici comparé à ceux-là, Aldébaran. Puis je veux vous montrer ça parce que justement, on voit les différentes couleurs. Puis c'est sûr qu'on arrive dans les plus grosses, on en a des bleus, mais on en a aussi des rouges. Puis c'est lié aussi à leur âge. Certaines étoiles sont plus vieilles, donc même si elles sont plus grosses, elles vont virer au rouge vers la fin de leur vie. Et puis finalement, on a la plus grosse étoile connue au monde, qui est Canis Majoris. Le Soleil, là, c'est comme un grain de sable à côté de cette étoile-là. Puis, juste pour vous donner une idée à quel point elle est gigantesque, si vous étiez dans une navette spatiale qui va super rapidement, dans l'espace de votre vie, dans 100 ans, même si vous étiez à pleine vitesse, vous ne seriez pas capable de faire le tour complet de cette étoile-là, tellement qu'elle est grosse. Elle est vraiment gigantesque. Et puis, donc, pour pouvoir voir ces couleurs-là, je parlais de filtres. Donc, on utilise des filtres en astronomie pour filtrer la lumière et laisser passer seulement quelques couleurs pour pouvoir voir quelle étoile produit plus de couleurs rouges, plus de couleurs bleues, plus de couleurs jaunes, et ainsi de suite. Donc, un filtre, ça fonctionne comme ça. Ça ressemble à ça, en fait. C'est comme une fenêtre colorée. Puis là, toute la lumière de toutes les couleurs peut rentrer à l'intérieur du filtre, mais ce qui passe au travers, c'est vraiment la couleur qui est transmise par ce filtre-là en particulier. Puis il y en a de toutes les couleurs, donc on peut aller filtrer la lumière de différentes couleurs. Si on pense à une fenêtre, une fenêtre, c'est aussi un filtre. Ça laisse traverser la lumière, ça laisse passer la lumière. Par contre, ça ne filtre pas beaucoup de couleurs, ça ne filtre rien en fait. Ça transmet toute la lumière qui passe au travers. Et puis, si on pense à un autre extrême, un miroir, bien, un miroir, ça ne laisse passer rien, mais ça réfléchit tout. Donc, la lumière est réfléchie sur un miroir, puis elle est redirigée ailleurs. Donc, on va faire une petite expérience. Là, je vais arrêter mon partage d'écran. Et je vais revenir à vous, comme ça. Et j'ai fait des jello vraiment magnifiques hier, juste pour vous, qui ne sont pas faits pour être mangés. Ils ont un peu plus de gélatine, donc ils sont très solides. Mais c'est parfait pour voir justement les effets de filtres de la lumière. Et là, ce que j'ai avec ces jello-là, j'ai des lasers. Donc, j'ai un laser mauve, comme ça ici.
donc mauve. J'ai un laser vert, comme ça. Et un laser rouge, comme ça. Et là, je vais vous montrer un peu comment le tout fonctionne. On va commencer par le gel au rouge. Voilà. OK. Donc, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça va faire, mettons que je prends mon laser vert. Ça, c'est le laser vert. Si j'essaie de faire traverser la lumière verte à l'intérieur du gel rouge, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, je vais le diriger directement dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il n'y a absolument rien qui passe. J'ai beaucoup de lumière qui réfléchit sur mes doigts ici, mais il n'y a absolument rien qui arrive de l'autre côté. Donc, le vert ne traverse pas. Et si on prend le laser rouge, la même couleur, et là, voilà ce qui se passe. Donc, le gel rouge est un filtre rouge et il laisse passer la lumière rouge uniquement. Et puis, je peux essayer aussi avec le laser mauve. Là. Le laser mauve ici ne traverse pas, encore une fois, le rouge. Et là, si je fais l'inverse, si je prends le gel vert, ici, et là, que je regarde avec mon laser rouge, ici, on voit que le laser rouge ne traverse pas. Par contre, si vous faites attention, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de lumière qui s'en va à l'intérieur du gel. Ça, en optique ou en astronomie, on appelle ça la profondeur optique d'un matériel, comme dans ce cas-ci, c'est le gel, à la lumière d'une certaine couleur. Donc, la profondeur optique du rouge n'est pas zéro ici. Il y en a un petit peu qui rentre, peut-être 1 ou 2 cm à l'intérieur du gel. Puis, si on prend le mauve, hop, aussi le mauve, vous voyez, rentre un peu à l'intérieur, ne passe pas complètement, mais il rentre un petit peu, puis sa profondeur optique est un petit peu plus courte. Et là, j'ai les gelos. J'en ai un que je me demandais quand je l'ai fait, qu'est-ce qui passera au travers. J'ai un gelo bleu. Et voilà. Et vu que c'est une expérience, j'avais aucune idée, en fait, de c'est quel des gelos, quel des lasers allait passer au travers. Mais c'est ça la beauté de l'expérimentation. On peut faire le test puis voir comment est-ce que le gelo bleu filtre la lumière. Donc, on va regarder ici. Je vais commencer avec le mauve. Ah! Le mauve ne passe pas. Mais on voit que sa profondeur optique est très grande. Ensuite, je vais essayer le rouge. Hop! Le rouge ne passe pas du tout. Même pas un tout petit peu. Il n'y a rien, absolument rien qui passe à l'intérieur. Et finalement, le vert. Hop! Voilà, le vert passe beaucoup. Puis, il y a un autre truc que je voulais vous montrer avec mes jellos. C'est un truc qui est vraiment fascinant. Ça s'appelle la réfraction. Et là, je vais vous montrer avec le laser vert, vu qu'il passe au travers ce gel-là, on le voit bien. Donc, vous voyez le faisceau de lumière qui part du laser qui rentre à travers le gel-là, une belle ligne droite. Par contre, si je commence à incliner le laser par rapport à la surface du gel-là, on va voir que tranquillement, le faisceau commence à être courbé par le matériel. Donc, vous voyez, je pointe vraiment dans une direction et le faisceau de lumière entre dans le gel et est dévié légèrement. Et ça, on appelle ça de la réfraction. Donc, la réfraction dans le gel ici. Donc, le faisceau de lumière ne passe pas tout droit comme ça. Là. Il passe vraiment, il y a un angle dans le gel. Mais la réfraction dans un matériel comme ça, ça dépend du matériel. Là. Dans ce cas-ci, c'est le gel qui va vraiment faire dévier la lumière. Mais différents matériaux peuvent avoir de la réfraction qui est différente. D'ailleurs, les gens qui portent des lunettes pour améliorer leur vue, c'est à peu près, c'est ce phénomène-là qui est recherché. C'est qu'ils vont utiliser une couche de verre et ce verre-là va réfracter la lumière, va changer un tout petit peu l'orientation des faisceaux lumineux qui rentrent dans l'œil de la personne et ça va les permettre de voir mieux. Donc, la réfraction, on utilise ça aussi en astronomie pour les télescopes. Ça nous permet de focaliser la lumière avec des lentilles, des énormes lentilles astronomiques qui nous permettent de voir mieux les choses sur nos caméras. Donc, c'est comme des lunettes pour voir mieux, mais pour les caméras astronomiques. Et là, je vais repasser à notre partage d'écran. Voilà. Donc, normalement, vous devriez revoir mes diapositives. Et là,
On va repasser, on va revenir à nos ondes électromagnétiques. Et je voulais vous parler d'une autre propriété vraiment fascinante de la lumière. Puis on a vu les couleurs de la lumière, la fréquence d'oscillation de la lumière. On a vu que la lumière pouvait être transmise, pouvait être réfléchie par un miroir, pouvait être réfractée dans un milieu, comme le Jell-O. Mais la lumière, ça a aussi une propriété vraiment fascinante qui s'appelle la polarisation. Fait que une lumière, c'est pas qu'une vague, comme on le voit ici dans la petite image. C'est une vague dans les deux directions. C'est qu'il y a une vague qui passe comme ça, et dans l'autre direction, à 90 degrés, il y a une autre vague qui passe comme ça. Donc, c'est un petit peu plus qu'une vague comme on voit sur l'eau. C'est dans les deux directions. Il y a une vague qui est due au champ électrique, il y a une vague qui est due au champ magnétique. C'est pour ça qu'on appelle ça l'électromagnétisme. C'est la combinaison d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Et là, cette particularité de la lumière-là fait que parfois la lumière peut être ce qu'on appelle polarisée. C'est peut-être un mot que vous n'avez jamais entendu, en fait, le mot polarisé. Si vous avez déjà entendu le mot polarisé, c'est probablement parce que vous avez acheté des lunettes soleil. Il y a des lunettes de soleil qui sont polarisées, donc qui ont la capacité de polariser la lumière. Puis là, j'ai une petite vidéo qui montre un peu. Donc, je vous parlais qu'il y avait un champ électrique, un champ magnétique, c'est comme deux vagues. Et ça montre un peu comment ces deux vagues-là agissent l'une sur l'autre. Et parfois, la lumière, elle a des drôles d'alignements qui font qu'elle peut être polarisée de façon linéaire, comme ça, une ligne, ou circulaire, comme ça, une espèce d'hélice, et ça tourne. Et ça, c'est vraiment une propriété magique et mystérieuse. Je vais essayer de vous montrer un peu comment ça marche aujourd'hui. Avec des filtres polariseurs. Donc là, on voit ici qu'il y a une source de lumière, la lumière qui arrive dans toutes les directions possibles. Et un filtre polariseur, ça permet de cacher la lumière qui arrive dans une orientation particulière. Et là, je vais vous montrer, moi je trouve ça absolument fascinant, comment ça fonctionne. Donc, on va arrêter le partage d'écran. Je vais vous montrer encore une fois une petite expérience. Donc, je reviens ici. J'espère que vous me voyez. Donc, j'ai avec moi ici un filtre polariseur. Donc, ça a l'air de rien. Ce beau petit filtre-là est en fait un filtre polariseur. Et la lumière qui n'est pas polarisée traverse le filtre. Puis, il y a une partie qui est bloquée. C'est pour ça que le filtre a l'air un peu gris. Il y a une partie de la lumière qui est bloquée. Par contre, et c'est ça qui est beau dans les filtres polariseurs, et là, je vais ouvrir ma télévision pour vous montrer quelque chose. Donnez-moi une petite seconde, parce que j'ai besoin d'un écran. OK. Donc, mon écran de télévision est ouvert. Je vais tourner. Je vais tourner mon ordinateur pour pouvoir vous montrer l'écran de télévision. OK. Laurie, on te voit, on voit bien, mais on ne t'entend pas. OK. OK, est-ce que vous m'entendez? J'ai accroché le bouton pour le oui, voilà. C'est bon, on t'entend là. Là, on voit mon écran de télévision avec l'écran brouillé. Et j'ai mon filtre polariseur ici. Vous voyez que quand je le tourne devant moi, ça ne fait absolument rien. Par contre, si je le mets devant l'écran de télévision et que je le tourne, vous voyez ce qui s'est passé? Donc, la lumière est bloquée dans une direction, mais pas dans l'autre. Et ça, c'est parce que la lumière qui provient d'un écran comme ça est une lumière qui est polarisée de façon linéaire. Et donc, présentement, ce filtre-là a une certaine orientation. Donc, il laisse passer cette polarisation-là. Mais si je le tourne à 90 degrés, là, il va bloquer tout parce que, justement, c'est l'inverse de l'inclinaison de la lumière de la télévision. Et là, je reviens à mon poste. Je vais vous montrer un autre truc qui est absolument magique avec la polarisation de la lumière. Et là, j'ai coupé des petits morceaux de ce filtre polariseur-là à des petits carrés. Donc, si vous voyez, si je tourne deux morceaux à 90 degrés comme ça, je suis capable de bloquer toute la lumière. Parce que j'ai justement un filtre qui bloque la polarisation dans une direction. Si je le tourne, il va bloquer la polarisation dans une autre direction, donc il va tout bloquer. Et là, je les mets ensemble. Donc, j'ai vraiment
aucune lumière qui traverse ces deux filtres-là. Si je les tourne, on voit que tout passe, ou une seule polarisation passe. Là, je bloque toutes les polarisations. Et il y a un truc qui est absolument magique, et je vais vous montrer. J'ai un autre petit morceau de filtre qui est exactement le même. Vous voyez, tu sais, je peux le mettre devant ou derrière, je peux le tourner, ça ne change absolument rien, aucune lumière qui passe. Par contre, si je le mets et je le glisse entre les deux, et là, je me trouve une place, je vais le glisser entre les deux. Et là, ouais, j'ai essayé de le mettre devant la fenêtre pour qu'on voit bien. Donc, vous voyez ce qui se passe. Il y a plus de lumière qui passe au travers. On va mettre ici. Donc, pas de lumière. Et si je le glisse entre les deux, vous voyez comment il y a de la lumière qui passe au travers? Et si je le mets dans d'autres directions, ça ne marche pas. Par contre, si, elle est, si le filtre polariseur que j'insère entre les deux il est exactement à 45 degrés, il y a beaucoup de lumière qui passe au travers. Pourtant, je peux le mettre ici ou là, il ne se passe absolument rien. Mais si je le mets entre les deux, vous voyez? Hop. Et ça, c'est parce que justement, de le mettre à 45 degrés entre les deux, ça change la polarisation de la lumière en plein milieu de sa traversée. Donc, pour moi, c'est comme magique. Mais en fait, tout ça s'explique justement avec la forme de la lumière puis ses angles de polarisation. Et là, on va revenir encore une fois à ma petite présentation. Je vous partage l'écran. OK. Ici, on revient ici. Et là, je veux vous parler en fait comment on peut utiliser cette propriété de la lumière-là pour faire des films 3D. Donc, ça, c'est une image typique si on va dans un cinéma pour voir un film 3D et qu'on ne porte pas les lunettes 3D de l'endroit. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme s'il y avait deux images. Il y a une statue à gauche et une statue à droite. Et aussi, le texte a l'air d'être dédoublé. Tout est un peu dédoublé. Et là, on va encore arrêter le partage d'écran. On va faire quelque chose ensemble. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est vous allez mettre un doigt devant vous comme ça. Et je vais vous demander de fermer un œil, de regarder le doigt, de fermer un œil et puis de fermer l'autre, de faire ça comme ça, œil gauche, œil droit. Et de focaliser votre attention sur votre doigt. Et là, vous allez voir que votre doigt bouge un peu de gauche à droite. Que l'image que votre œil gauche voit, c'est pas la même image que votre œil droit. Parce que j'espère que vous le voyez, moi je le vois, c'est bien. Puis si vous mettez le doigt ailleurs, vous allez voir les deux images aussi. Le doigt a l'air de bouger de gauche à droite. Et ça, c'est ce que notre cerveau utilise en fait pour faire des images 3D, pour nous donner des perceptions 3D. C'est le fait que notre œil gauche et notre œil droit ne voient pas exactement la même chose. Et là, je vais vous montrer, je vais encore partager mon écran avec vous et on va voir un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc, je reviens à la diapositive. Donc, on a nos deux images. Notre cerveau, lui, il prend l'image de l'œil gauche, l'image de l'œil droit, et il recrée une image 3D avec ça. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser la polarisation de la lumière pour faire des images 3D? Bien, c'est un peu ce que je vous expliquais avec les filtres polariseurs. Donc, vous voyez, il y a un écran ici avec deux images dédoublées. On voit notre petit bonhomme avec une image à gauche, une image à droite. Et là, on voit un projecteur ici et un autre projecteur. Et chacun de ces projecteurs-là sont munis d'un filtre polariseur. Un est orienté dans une direction comme ça, verticale ici. Puis l'autre est orienté dans l'autre direction horizontale. Donc, les deux projettent une image légèrement décalée. Et les deux projettent une image qui est polarisée, mais d'une façon différente. Et là, les gens qui travaillent dans les cinémas vont vous donner une paire de lunettes qui est comme celle-là ici. Et cette lunette-là va avoir deux filtres polariseurs pour chaque œil, un qui laisse passer la polarisation horizontale et un qui laisse passer la polarisation verticale. Fait que vous êtes assis dans le cinéma, vous mettez vos lunettes et là, soudainement, vous pouvez voir la bonne image de votre œil droit et la bonne image de votre œil gauche qui sont légèrement décalées. Et là, votre cerveau fait le reste de la magie et vous permet de vous voir en 3D comme il le fait normalement. Et ça, on fait ça aussi pour les observations astronomiques. C'est ça la beauté de la chose, mais on fait ça différemment. On utilise les télescopes sur Terre, mais on utilise aussi le mouvement de la Terre autour du Soleil.
Fait que la Terre est ici, le Soleil est là. La Terre tourne autour du Soleil en un an. Fait que si elle est ici, on va dire qu'ici, c'est la position du mois de juin, de janvier, bien, ça prend 6 mois pour aller de l'autre côté pour le mois de juillet. Et là, si on regarde la même étoile, on pointe notre télescope vers cette étoile-là, on l'observe au mois de janvier, on voit une image comme ça. Et là, on attend 6 mois. Et on observe la même étoile avec notre télescope, et là, on obtient une autre image. Et on voit que l'étoile, ici, a bougé par rapport aux autres étoiles. Et on est capable de calculer justement sa distance. C'est comme une vision 3D, mais pour l'espace. Puis au lieu d'utiliser les yeux, bien, on utilise la position de la Terre à gauche et à droite, comme pour étant le gauche et l'œil droit, pour donner la perspective 3D. Et là, je vais vous parler d'encore, parce que la lumière, c'est vraiment, vraiment magique. Il y a une dernière propriété que je veux vous parler aujourd'hui qui parle de justement le fait que la lumière, c'est une onde. Donc, si on projette de la lumière rouge comme ça sur un écran où il y a deux fentes, et là, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez qu'on verrait sur un mur de l'autre côté? Et la plupart des gens vont dire, mais moi, je pense qu'il va y avoir deux fentes sur le mur de lumière rouge. Mais ça, c'est un peu la pensée comme si la lumière était une petite particule qui passait à travers les fentes puis allait percuter le mur. Mais en fait, c'est pas ça qu'on voit. Pas ça du tout. Et c'est ça d'ailleurs qui nous a fait découvrir que la lumière était une onde. Donc, si on regarde un mur, on voit plusieurs petites fentes. En fait, on n'en voit pas que deux. On en voit des dizaines. Et ça, c'est dû justement en fait que la lumière, c'est une fente. Et là, j'ai fait l'expérience moi-même dans ma chambre avec mon laser et j'ai recréé ça avec une petite fente. Et voici ce que j'ai observé. Donc, vous voyez le faisceau du laser qui a créé tous ces petits points-là sur le mur, juste parce que je l'ai envoyé dans deux fentes. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi ça fait ça. Et là, voilà. Si on met aussi un truc, ce qui est intéressant, si au lieu de mettre de la lumière rouge, on met toute la lumière qui vient du soleil, on appelle ça de la lumière solaire ou de la lumière blanche, comme qui contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et qu'on envoie ça dans deux fentes, bien, ce qu'on verrait, ça ressemblerait à ça ici. Donc, on verrait toutes les petites fentes, puis on verrait aussi les couleurs qui changent. Et pour expliquer comment ça s'est produit, je vais vous montrer deux petites vidéos. Donc, on voit la lumière comme étant une vague plutôt qu'une particule. Et là, j'ai sur une vidéo géniale qui est sur YouTube, d'ailleurs, si vous voulez l'accéder, c'est l'expérience des deux fentes. Et là, ce jeune homme ici-là va nous faire des vagues avec deux sources comme ça pour nous montrer qu'est-ce que les vagues produisent par la lumière qui rentre dans les deux fentes. Pourquoi est-ce que ces deux vagues-là produisent ce patron de fentes-là sur le mur? Et on va voir avec le petit vidéo. Donc là, vous voyez, les vagues sont créées par les deux boules. Et tranquillement, pas vite, on va commencer à avoir des endroits où les vagues se croisent. Et là, il va y avoir des endroits où les vagues forment des creux et des endroits où les vagues forment des pics. Et c'est la même chose, en fait, qui se passe avec la lumière. Et là, on voit les pics. Et ici, on voit les creux qui sont un peu plus brillants ici sur la vidéo. Et en fait, bien, ce qu'on voit sur le mur, c'est à peu près ça. En fait, c'est les vagues qui se combinent et qui forment des creux ou des pics, dépendamment de la position sur le mur. Et ça, on peut le voir aussi, cet effet-là, sur les bulles de savon. Donc, si vous regardez des bulles de savon, vous avez probablement déjà vu comment il y a plein de couleurs. Sur la surface. Donc ça, c'est encore une fois cet effet-là d'interférence des vagues de la lumière qui crée ces bulles-là à l'intérieur de la couche de savon. Et ça, c'est un autre exemple qui montre justement avec un laser comment on crée des vagues comme ça d'interférence avec la lumière. Et puis là, je vais terminer ici. J'espère que vous avez des questions. Là, on a vu un peu comment la lumière parcourait des distances phénoménales. On a vu comment elle pouvait avoir différentes couleurs, différentes énergies. Puis qu'il y a beaucoup de lumière qu'on ne voit pas, en fait. On a vu avec les Jello la transmission, la réflexion, la réfraction de la lumière. Et puis, avec les petits filtres polariseurs, on a vu comment on pouvait faire des films 3D.
Puis ça, c'est juste là, une légère... c'est le type de l'iceberg, c'est la pointe de l'iceberg de ce qu'on peut faire avec la lumière. J'espère que ça vous donne des idées pour faire des expériences à la maison. Merci! Cool! Merci beaucoup, Laurie. C'était vraiment, vraiment cool. Je sais que moi, c'est sûr, j'ai appris beaucoup. oui, donc on avait quelques questions. Il y avait Samuel qui voulait savoir, est-ce que les étoiles bougent? Ouais, les étoiles bougent. Le soleil bouge aussi. Fait que, dans le fond, je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo du début de la présentation où on passait au travers justement le système solaire, qu'on s'éloignait et qu'éventuellement on voyait la galaxie. Mais le soleil, avec toutes les planètes qui tournent autour, le soleil lui-même tourne autour du centre de la Voie lactée, comme toutes les autres étoiles qui sont dans la Voie lactée. Et leur orbite là, autour du cœur de la galaxie est différente, dépendamment de quelle étoile on regarde. Puis aussi, il y a des étoiles qui comme par exemple, on sait qu'autour du Soleil, il y a des étoiles qui, on les appelle nos sœurs, ou dans le fond, c'est des étoiles qui se sont formées à partir de la même matière, du même nuage de gaz, puis ces étoiles-là ont tendance à avoir le même mouvement autour du centre de la galaxie. C'est comme si on voyageait en groupe, un petit nuage d'étoiles qui voyagent tous ensemble autour du centre de la galaxie, puis on sait à cause de ça que c'est nos sœurs qui se sont formées à partir du même nuage de gaz. Cool, excellent. Il y avait Marc et Olivier qui veulent savoir jusque où les télescopes peuvent voir dans l'espace. Ça, c'est une bonne question. Dans le fond, la distance à laquelle on peut regarder, ça dépend de s'il y a un objet assez brillant à cette distance-là pour qu'on puisse le voir, de un, parce que quand on regarde vraiment très, très loin, il y a de moins en moins de lumière qui arrive jusqu'à nous. Fait que ça prend un objet très brillant. Mais ça prend aussi un très gros télescope. Donc, plus le télescope est grand, plus le miroir du télescope est gros, plus on collecte de la lumière. Et là, ça nous permet de voir des choses encore plus loin. Et c'est difficile de parler de distance et de vous donner un chiffre parce que les galaxies qu'on est capable de regarder les plus lointaines sont tellement loin que je ne peux même pas vous donner un chiffre qui fait du sens. C'est comme un chiffre absolument énorme. C'est des milliards d'années-lumière. Donc, je vous disais que la lumière fait 300 000 km par seconde. Donc, à chaque seconde, la lumière parcourt 300 000 km. Mais vous pouvez vous imaginer combien de distance la lumière a parcouru en 1 milliard d'années. Donc, vous pouvez multiplier le nombre de secondes qu'il y a dans 1 milliard d'années et calculer cette distance-là. C'est une distance phénoménale. Wow! Ouais, vraiment, vraiment fou! Cool, merci! Ensuite, Nathalie veut savoir comment on fait pour savoir l'âge d'une étoile? Oui, ça, c'est une bonne question. C'est compliqué, en fait, pour savoir l'âge d'une étoile. Il y a plusieurs méthodes. Donc, si on est chanceux, l'étoile est dans un groupe d'étoiles qui sont ses sœurs et frères. Donc, comme je vous disais, là, il y a des étoiles autour du Soleil qui sont les mêmes, qui se sont formées en même temps, donc qui ont toutes le même âge. Et là, on peut étudier le groupe d'étoiles ensemble pour savoir c'est quoi leur âge. Et le fait qu'elles sont en groupe, comme ça, ça nous permet de tracer leur âge. Si c'est une étoile qui est toute seule et qu'on peut regarder sa lumière, sa couleur, donc sa couleur est très importante pour déterminer son âge. Mais aussi, dans le fond, c'est sa couleur, sa luminosité, donc comment elle brille, si elle est très brillante ou moins brillante. Et puis ça, c'est deux indices que si on a les deux en même temps, on est capable de dire quel âge elle a. Et puis finalement, il y a certaines étoiles plus particulières qu'ils vont y arriver des choses vraiment étranges dans sa vie. Donc, il y a certaines étoiles qui vont se mettre à pulser, il y a certaines étoiles qui vont exploser, et ces étoiles-là sont spéciales. Puis quand il y a un événement bizarre qui se passe, on sait quel âge elles ont parce qu'on sait à quel moment dans la vie d'une étoile ces événements-là se produisent. Cool, merci! Et j'ai une dernière question, je crois. Sinon, s'il y en a qui ont encore des questions, vous avez encore le temps de les taper. Sinon, dernière question, il y a Meg qui veut savoir, est-ce que toi, tu as une étoile ou une planète préférée? Ah, ben j'ai une étoile préférée, j'ai une planète préférée. Ma planète préférée, c'est Mars, parce que Mars a des volcans, puis des canyons, puis des montagnes incroyables.
La plus haute montagne sur Mars fait 25 km de haut. C'est trois fois plus haut que le Mont Everest. Puis, elle a des canyons qui font 16 km de profond. C'est huit fois plus profond que le Grand Canyon des États-Unis. Fait que juste imaginez d'avoir ces montagnes-là avec ces canyons-là gigantesques. Moi, j'aimerais ça voir ça. Malheureusement, c'est pas là où les robots qui visitent Mars sont déposés parce que c'est des terrains trop accidentés. Ils mettent les robots à des endroits plus tranquilles. Et j'aimerais ça voir justement les terrains accidentés de Mars. Puis l'étoile qui est selon moi la plus intéressante, puis je pense qu'il y a beaucoup d'astronomes qui seraient d'accord avec moi, ça s'appelle Betelgeuse. C'est une étoile qu'on a vue varier dans le ciel il n'y a pas très longtemps, au mois de décembre. Là, ils ont dit que cette étoile-là avait changé de luminosité intensément et qu'elle varie beaucoup. Puis c'est une étoile vraiment massive qui va exploser éventuellement en supernova. Fait que si je sors dans la nuit et je regarde le ciel, c'est cette étoile-là que je vais regarder en premier pour voir si elle a changé de luminosité parce qu'on peut le voir à l'œil nu tellement qu'elle change et d'un coup qu'elle exploserait. Wow, intéressant. Puis qu'est-ce qui se passe quand une étoile explose? Oui, dans le fond, quand une étoile est massive, on parle de plus que 8 fois la masse du Soleil, elle peut exploser. Et ça, c'est parce que dans le fond, au cœur de l'étoile, il y a des réactions de fusion des atomes. Les atomes se fusionnent entre eux, forment de la lumière. Mais quand une étoile est super massive, elle brûle tout son carburant dans son cœur. C'est comme si elle avait une tank à gaz, puis qu'elle brûlait son carburant. À un moment donné, elle arrive à un moment où il y a moins de fuel, il y a moins d'essence. Et là, elle se met à être instable. Donc, elle produit moins de lumière, puis là, elle va éventuellement rentrer, elle va fusionner des atomes de plus en plus gros, plus en plus lourds, former des atomes jusqu'au fer, des atomes très lourds, et va continuer à être instable. Puis là, quand il n'y a vraiment plus de carburant, elle va arrêter, elle va produire beaucoup moins de lumière, et ça, ça va faire qu'elle va s'effondrer sur elle-même. Donc, en arrêtant de produire de la lumière qui aide l'étoile à garder sa terre, mais elle va s'effondrer puis exploser sur son cœur, comme ça. Puis ça peut former d'ailleurs des trous noirs parfois, ces étoiles-là, à cause justement de la compression sur le cœur. Wow, merci, excellent. Puis une dernière question, il y en a qui ont peut-être manqué cette information-là au début. Des élèves veulent savoir où est-ce que tu travailles. Oui, donc le télescope Canada-France-Hawaï, c'est sur la grosse île d'Hawaï. Il l'appelle Big Island. Moi, dans le fond, la ville où je travaille, ça s'appelle Waimea, c'est au nord de l'île. Et le télescope est sur le Mauna Kea, qui est un volcan qui n'est pas actif sur l'île. Et donc, le télescope lui-même est à 4250 mètres d'altitude environ. Mais on ne va pas là physiquement pour observer, on contrôle le télescope à distance à partir de Waimea, qui est la petite ville au nord. OK, cool. Merci beaucoup, Laurie. Mais je pense que c'est tout pour les questions. Puis on approche de l'heure de toute façon. Donc, je te remercie énormément. C'était vraiment, vraiment cool comme présentation puis démonstration. Merci à tous qui sont venus passer ce moment avec nous. Ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. Puis si vous avez aimé ça, on va revoir Laurie la semaine prochaine également. Sinon, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et on se reverra demain pour les prochains ateliers de Connexion Nord à la maison. Merci tout le monde! Salut tout le monde! Bye! Bye! Bye.